Bien, salut à toutes et à tous, c'est Vipère. Aujourd'hui, on se retrouve sur League of Legends. On part en normal draft avec Kog'Maw. Alors, on est Kog'Maw Séraphine, pour moi, contre Morgana Lucian en face. Morgana Lucian, ils vont nous mettre très très cher. Soyons honnêtes, voilà, on va déguster. Mais bon, après voilà, si on arrive à gérer leur lit, je pense sincèrement qu'on peut faire des miracles. Oh super, notre top laner il a même pas vu qu'il était top et notre jungler il arrive en retard. Oh, super bonne nouvelle. Et en plus Mundo tu commences au bleu, mais pourquoi tu commences au bleu? C'est pas le bleu que tu dois commencer, c'est les raids. Tu te bases sur tes auto-attaques quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, ça va être de tenir. Ils ont deux assassins et Lucienne peut me tuer très très facilement. Surtout avec sa maîtrise, là, attaque soutenue, ça peut faire très très mal très très vite. Notre but, farmer, safe. Ah, ils sont là, donc ça veut dire qu'ils ont commencé au raid. Il est tout seul, pourquoi il prend tout seul l'expérience? Ok, Morgana l'a aidé. Pas mal, pas mal. Séraphine fait du bon boulot. Séraphine fait du bon boulot. Séraphine fait du très bon travail. Ici, la Séraphine, la Qiyana peut être pas loin, on va warder. On gère un petit peu mieux que les adversaires. Niveau farm, c'est pas trop mal. Yes, on l'a tué. Allez, vas-y. Ouais, elle flash. On a fait de l'excellent travail. Bon, on burn deux summoners. Pour un trade. C'est pas mal. Oh, je prends l'assist. Oh, Mundo. T'es le meilleur. Mundo, t'es le meilleur. Va vouloir venir me chercher. Voilà, tiens, pour l'agression des creeps. Il a pris une agression, moi j'ai pris 200 HP, lui il en a pris. Lui il a pris tarif. Hein.
C'est greedy. Mais je pense que je peux y arriver. Voilà. Okay. Pose une ward. Et on back. On lui ping qu'on a des golds. On va back pour le Kerkoisin. Tiens. Et une potion rechargeable, je pense. Ça peut être pas mal. On commence avec Kraken. Une potion chargeable. On a plus de assez de sous. Allez, c'est parti. C'est parti. On a deux assists. Mais bon. On a de l'expérience d'avance. On a quelques CS d'avance. Ok. Ok. En face, ils sont pas super bien. Il faut que tu essayes de les. Non, elle ne sera pas arrivée. Elle n'y sera pas arrivée. C'est pas grave. On aura pris l'expérience de la vague. Ici. SS, Morgana est toujours pas revenue. On sait pas où elle est. Faut toujours mieux prévenir. Elle est là. Oh, j'ai misclick. Nickel. Elle m'ignite. On va claquer les potions. Il ne sait pas où je suis. La preuve, il vient d'envoyer son spell dans le bush. Ok. Nickel. On prend l'avantage sur lui. Il peut pas revenir, il aura pas l'expérience. On a vu Morgana. On les a vus. Hein. La preuve, ils nous ont vus aussi. Ah non! Il y a de la vision ici. Il y a de la vision. Je sais pas encore mon flash. Je suis mort. On s'est fait gank, c'est ma faute. J'aurais dû le voir venir. Plus de statistiques. Voilà. C'est ma faute. Ah, et le mood d'honneur avec ça aussi. Pas cool ça. Pas cool. Ils vont passer niveau 6, moi je suis presque niveau 7 déjà. Un allié a été tué. Ils ont perdu la plaque, non, ils ont pas perdu la plaque. Nous par contre, on va en prendre une.
Voilà, on prend une plaque et on s'en va. Akali était pas là, c'était greedy, mais c'était voilà, c'était jouable. Oh, c'est pas vrai. Il a déjà son ulti. Ah, la Kiana est encore bot. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, la Kali est là en plus aussi. Oh. Catastrophe, hein. Je sais pas ce que mes équipiers ont fait. Je t'approche pas. Hop. Tu restes bien tranquille, Séraphine. Laisse-moi régénérer. Elle meurt. Yes. Bon, je prends le kill. Ah oui, bravo. Oh, la flash. Ulti flash, donc ça c'est une bonne nouvelle ça. On a ulti flash ignite, on a ulti ici, ignite flash. Et il n'y a pas de soin. Soin. Bon, on s'en sort plutôt bien. Hein. On s'en sort plutôt bien. On a 30, on a 20, 25 CS d'avance. On a un tout petit peu d'expérience d'avance. Un tout petit peu, un niveau. Un niveau d'avance. Bah, c'est déjà ça, quoi. Mais la Kiana est encore bot. C'est pas croyable, ça. C'est pas croyable. Là, là ils peuvent pas contester. Hein. Ils peuvent pas contester. Ah, tu veux venir me chercher? Viens me chercher. Voilà. Alors, évidemment, Kiana est encore là. Ah, ah, cette partie, elle me rend fou. Cette partie, elle me rend fou. Ah, ils ont bien joué. Ils ont bien joué au final. La Kali est là, elle va tuer le Mundo. Voilà. Mundo un peu bête pour toi de flash, mais bon. Ouais, la Kali, elle va one shot. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je vais me faire éclater. Elle a même pas vu la pink. Bizarre. Maintenant, on va partir sur Navori Quick Blade. Navori. Les Navori. C'est. Hop. Bah, qu'est-ce qui se passe, l'ami? On a un petit souci? On va en 1v2? Et je prends un kill. Bon, j'ai fait la tourelle, un peu bêtement, mais je pense que ça valait le coup. Je lui ai remis l'église à sa place. J'ai toujours les presque 30 CS maintenant. Toujours presque 30 CS d'avance. Morgan n'a plus d'ulti. Aïe aïe aïe, le support va mourir. Voilà. Prévisible. Prévisible, prévisible. Et le top hyper. Ah, c'est pas un bon signe, il va falloir que je carry. Malheureusement, je vais me retrouver face à un assassin AD, complètement fumé, qui va me one-shot en 0,5 secondes, et un assassin AP qui va me one-shot en 0,5 secondes. Donc, je ne peux littéralement rien faire. Ça va être ça, hein. Ma partie, ça va être... pas touché.
La partie, ça va être ça. Pas touché, pas touché. Tu touches pas et puis c'est tout. Oh, je vais me faire tuer. Et voilà. Il a déjà son ulti, incroyable. Je suis mort parce que mon support était pas là. Et j'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai voulu faire le malin, j'ai mis ce clic, deux autos. Puis voilà. Ah, sale, sale, je me suis fait allumer. Oh, il pratique le saut. Ils sont niveau 9, je peux rien faire. Ok, Morgana a 3 kills. 4, 5, 10. Oh la vache. Ah, on a 13 participations, 13 morts en bot. Ça, c'est pas un bon signe. Tu meurs aussi. Voilà, nickel. Excellent. Bon job, Mondo. Mais là, le souci, c'est qu'ils vont être là. Bon, tout le temps. La Qiyana, elle n'a fait que ça. Elle a fait que camp le bot. Donc, elle ne va pas être très loin. Votre équipe a détruit une tourelle. Ça m'a touché ça. Ben était là. Bon, je prends encore un kill sur ce move. Un ennemi a été tué. C'est pas mal, bien joué. On se maintient, on se maintient. Il faut rien lâcher, il faut rien lâcher. Qu'est-ce que je fais, Navori? C'est avec ça les Navori? Oui, c'est ça. On va vendre, on va acheter ça. Donc il nous faut encore 600 quand même. 600 gold. C'est 3 kills. 3 kills ou quelques CS quand même. On maintient toujours l'avance d'expérience et de CS par rapport à l'adversaire. Et on sait que... Et là, Qiyana est encore là. Qu'est-ce qu'elle fout? Oh, Séraphine. Ouais, elle est encore là. Hein. Ah, voilà, je me fais tuer. C'est obligatoire. Ah, et la soin. La soin, mais la Qiyana n'arrête pas. Hein. Elle est bot, elle est en bot en permanence. Hein. Elle est bot en permanence. C'est incroyable. Casse les pieds. Pas possible. Une téléportation. Par la tourelle. Oh, je suis un peu trop focus sur ma CS. Je fais pas assez attention à ce qui m'entoure. C'est dommage. C'est dommage.
Voilà, bim. C'est fait. Bim. Et on est parti. On pull le Drake. Ok, on pressure la soul, on pressure la soul. Yep, 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 yep. Continue d'avancer, hein. Ils font les malins, mais on écrase, on avance. On a 5. On n'a pas de raison de s'arrêter, hein. On n'a pas de raison d'arrêter. On a carrément pas de raison. Maintenant, on a une raison d'arrêter. On peut aller faire Nashor. On peut aller du moins. On peut aller. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Allez, reculez. C'est pas le moment de. Elle est morte. Ah oui, hein, c'était obligatoire, ça c'était obligatoire qu'on se fasse allumer comme ça. Hein. Je fais non, je peux pas faire ça. Si je fais ça, je perds tous mes critiques et les Navori n'auront plus de raison d'exister. Partir là-dessus, on va partir sur un danseur fantôme. Oui, danseur fantôme, ce sera bien. Je fais mal, hein. Je fais mal. Ça, faut pas croire le contraire. J'ai perdu le lead que j'avais en expérience et en gold, mais bon. Je vais aller repush le bot, parce que personne n'y va. On va prendre de l'expérience tout seul. Là. On va se protéger un minimum. La prochaine vague va arriver là, donc. Oui, 3 de suite quasiment. Faut pas oublier que j'ai la Navori maintenant. J'ai 55% de critique. Et non, je t'ai vu. Elle a pris notre red buff. Je pense que Mondo a raison, c'est le meilleur move à faire. Juste pression sur les objectifs. Malheureusement, nos alliés se sont fait éclater au mid. On avance, on continue d'avancer, ils sont 3 mid sur 4, donc il y en a un qui va rôder quelque part. Mais bon. Bon, de case. Voilà. Doublé. Et je laisse au Mondo l'opportunité de prendre la tourelle. Pas mal. J'aurais pu mieux jouer. J'aurais pu mieux jouer l'action et ne pas mourir. Mais bon, je pense que vu les circonstances, c'était correct. On a arrêté le push mid. On prend deux tourelles. Je prends, je valide, hein, personnellement. C'est voilà. Je suis à 60% de critique. On est bon, hein.
On est bon, on est bon. Domination. Un allié a été tué. On y va, on prend la soul. Tu étais qui déjà ? Ah. Mundo, mal joué, ça l'a mal joué. Ah, c'est perdu. On peut pas. Non, je peux pas l'avoir. Bien sûr. Voilà. Bim. Ah oui, c'est ah oui, c'est du violent, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est du très très violent, hein, surtout qu'ils sont, elle a camp le bot exprès pour ce feed, bah maintenant je vais me faire ouvrir en deux, hein, à la moindre opportunité, sauf que je vais pas me laisser faire comme ça, hein. Je vais pas me laisser faire comme ça, c'est mort. Je vais mettre 2,5, je suis au maximum de la vitesse d'attaque que je peux avoir, donc le mieux je pense c'est de faire du lifesteal et partir sur une BT, augmenter mes chances de coup critique, histoire de réduire le CD sur mon Z et de pouvoir fighter tout le temps avec le Z up. Ce serait mon but. On l'a vu sur Mother Kaiser, sur le même fight j'ai pu l'utiliser deux fois, alors que normalement il a 12 secondes de CD, et le fight a duré moins de 12 secondes. Donc forcément... Oh là là, pas évident. C'est pas évident à gérer tout ça. La Kali. Focus à Kali. Voilà, Lucien a bien joué. Mundo a bien joué sur Lucien. On a un 2v5. Oh là là, ouf, ça a failli tourner au désastre. Oh, déjà fini. 0, nouveau champion qui est sorti aujourd'hui même sur League of Legends. Ce 21 janvier. Je sais pas pourquoi, dans mon fight précédent, j'ai essayé de survivre en utilisant mon flash. Mon soin, mais bon, évidemment, quand on ne l'a plus, c'est un peu bête. Là. C'est une mécanique de talon, ça. Pour traverser les murs. Touché. Ouais, ça accélère, forcément. Voilà. Et voilà. Ça va virer à la catastrophe cette partie, moi je vous le dis, si on continue comme ça. Ok, une tourelle. Moi je vais aller chercher Lucian bot. Il peut pas me tester, hein. Le Lucian il peut pas me tuer. Il a du burst, mais il peut pas me tuer. Voilà, je t'avais dit. Le Lucien ne peut pas me tuer. Et voilà, doublé. Je pouvais pas bouger, hein. Enfin, si je pouvais en soi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? On va garder comme ça. On va rester comme ça, à moins que ça va nous faire plus. Ouais, allez. Il faut. Nous on fait un bon move bot. En 1v2 on fait 2 kills. On meurt. Mais on défend le bot et ça permet de faire du 4v5, du 4v3 au top et il gagne. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On prend Baron là-dessus. Ouais, et Kog'Maw là c'est. J'ai apprécié. J'ai apprécié les Navori Quickblade.
Les pestes l'âme, pour ceux qui jouent en français. Voilà. Ah oui, là, là mettre 2 Z, 2 fois mon Z sur le fight entre le Lucian et la Morgana, ça a mis très très bien. Là, il faut que tout le monde back et que tout le monde aille à la soul. On push le mid. C'est mauvais ça. Elle est morte. Oh, elle fait très mal. Elle a utilisé son ulti dans le mauvais sens, mais elle fait très très mal. Oh, le Mundo, il est... Mundo est très 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 gros. Là. Il a forcé à lui tout seul la Akali à partir. C'est incroyable. Regardez, regardez. Ils l'ont mis midlife à 2 alors que il est tout fin, il est tout seul quoi. Ah, il est en 16-4. D'accord. Il manque pas grand chose, hein. Il me manque vraiment pas grand chose pour ça. Faites, j'arrive. Ok, je peux back. Je suis en 12-12-12. Voilà. On a la soul. Qu'est-ce qu'elle nous fait la soul? 10% de vitesse de déplacement et ce bonus augmente encore 6 secondes après avoir lancé l'ulti. Quand on lance l'ulti, voilà par exemple, on a un bonus de vitesse de déplacement. C'est pas mal ça quand on va fight quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait Xion? Il va lancer son ulti dans le vent. Un peu de ward. Oh là là, la Akali, les dégâts qu'elle m'a collé. Poup. Tu prends ça. Oui, la Akali, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Mundo est très très fort. Je me suis retrouvé en plein milieu de la mêlée alors que tous mes alliés se sont reculés. J'ai pas pris le temps de reculer. Ça a été un peu ma faute aussi. Mais bon. 2 pour 3, on prend un inhibiteur, une tourelle. On temporise, on a plus de Nashor. C'est un move un peu partagé. Je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe là, mais bon. Après, on n'a pas le choix, on doit suivre nos alliés. Est-ce que je ne ferais pas quelque chose comme ça, par hasard? Ceinture de Mercure, non. Ceinture de Mercure, je ne me suis pas encore fait toucher par trop de cash de la Morgana. On va juste faire une cape de Négatron. Cape du Néon, pardon. Négatron, c'est après. Il s'est arrêté parce que j'ai posé ma ward. Ça l'a tué. Ah, ce move de génie. Ce move de génie. Ah, j'ai... Il s'est retrouvé un peu bébête. Hein. Ah, je viens te chercher, toi, l'ami. Salut. Oui, je suis mort. Je suis mort. Elle a flash. Quand je l'ai vu sortir, je savais que j'étais mort. Je savais. J'avais pas le choix. Elle a bien essayé, mais bon. Hop. Cap du manteau du Négatron.
Mais là, notre but, ça va être de prêcher encore, plus toujours prêcher les objectifs. J'aurais peut-être pu essayer de m'en sortir en mettant une artillerie et un limon pour la ralentir et moi accélérer avec l'ulti. J'aurais pu. Je devrais essayer la prochaine fois. Mais mieux me placer, mon placement est absolument atroce pour le moment. 12, 14, 15, la preuve, hein. 14 kills, même s'il y a deux assassins en face qui voilà. Il y a des fights que j'ai fait contre Lucian et Morgana qui auraient pu mieux tourner, ça c'est sûr et certain. Je vais chercher le Red Buff. Nashor bientôt, et le Drake bientôt, Drake Ancestral. On peut finir par un objet de survivabilité, survie. Pas obligé à un objet critique. Bien que les objets critiques vont nous mettre à coup sûr de la réduction avec les Navaris. Prends la vision sur eux. Oh, la vitesse de déplacement qu'ils ont. Essayer. Hein. Voilà, doublé. Alors, et voilà, terminé. Placement presque parfait. On tue la Morgana, hein, instant. On réactive le Z, on tue la Akali. Et puis on va chercher Mordekaiser. C'est. Voilà, presque parfait. Bien joué à tout le monde. Ben voilà, les petits gamers, j'espère que cette partie vous aura plu, que vous auriez appris un tout petit peu, que je vous aurais fait découvrir quelque chose, hein, comme Kog'Maw Adhécarys avec les Navori Quickblade. A bientôt!